Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement, surtout que ce glitch est vraiment très rentable. Alors le code de la map se trouve en haut de l'écran, bien entendu je le mettrai en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Mais première chose, quand vous arrivez dans la map, si vous voulez me soutenir, vous allez près du bouton code créateur et vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le font, franchement, c'est super sympathique de votre part. Alors, quand vous avez rentré le code, ce que vous allez faire, c'est tout simplement sortir dans le combat zone. Et là, vous voyez, il y a le mot clear. Ce que vous allez faire, c'est taper dessus ou tirer dessus avec une arme, peu importe. Voilà, moi je tape dessus. Ensuite, vous voyez, il y a une rampe là-bas. Eh ben, on va aller rejoindre cette rampe, tout simplement. Alors, soit vous vous servez des rebondisseurs pour aller jusque là-bas, ou soit vous construisez, comme je suis en train de le faire. Moi, je préfère construire, c'est plus simple. C'est moins prise de tête, et je suis sûr que j'arriverai à l'emplacement initial sans problème. Donc voilà, vous construisez jusque là-bas. Et vous allez voir que là-bas, il y a un bouton qui va vous permettre de prendre beaucoup d'XP. Alors on va voir combien ça va me rapporter. Il faut savoir que moi je glitch beaucoup ces derniers temps, donc je gagnerai peut-être moins d'XP que vous, mais c'est possible que vous gagnez beaucoup plus d'XP. Donc n'hésitez pas à me dire combien d'XP vous prenez dans l'espace des commentaires. Donc vous arrivez ici et là vous cherchez le bouton Earn XP. Donc on appuie dessus et là on va voir combien d'XP ça me donne. Ok, ça me donne pas grand chose. Normalement ça devrait vous donner beaucoup plus que moi. Parce que là, j'ai pris quoi? J'ai pris 2000, 3000. 2-3000 XP, c'est pas énorme, hein. Donc normalement, vous allez en prendre plus, mais bon, ça reste à voir, hein. Si vous avez glitché autant que moi, ben, vous en gagnerez peut-être autant que moi. Mais si vous n'avez pas beaucoup glitché aujourd'hui, ben, vous en prendrez plus. Alors, il y a un deuxième bouton d'XP. Donc, il y a le bouton là-bas, où il y a la rampe. Ben, de l'autre côté, vous tournez, vous allez juste ici. Et là, vous construisez, et vous allez sur la petite montagne de droite. Et là, vous allez voir qu'il y a une petite voiture de Rocket League qui là aussi va vous donner énormément d'XP. Donc tout est relatif, hein. Quand je dis énormément d'XP, comme je viens de vous le dire, c'est relatif à la personne. Moi je gagne pas énormément parce que ben je viens de faire aujourd'hui 4, 5, 6, 7 glitchs, donc c'est normal, j'arrive à ma limite je pense, hein. Ben, je suis limité de ouf là je crois, donc normalement ce glitch peut vous rapporter des milliers d'XP, donc normalement ça devrait fonctionner pour vous. Donc ici, vous avez une petite voiture de Rocket League. Vous appuyez sur carré pour gagner de l'XP. Et là, on va voir combien ça va me rapporter. 1000, 2000, 3000, 4000, 4000, 4000, 4002, 4004, 4006, 4007, 4009. Donc voilà, ça m'a rapporté 4009 XP, 4900. Celui-là m'a rapporté 2000, 3000, je crois. Donc ça fait un total de 7000 XP. Donc ce que vous pouvez faire... Quand vous avez pris les deux boutons, que vous avez interagi avec les deux boutons, vous mettez arrêter le jeu. Ensuite, vous appuyez sur rejouer. Et là, ben, vous recommencez le glitch en illimité. Mais je vous préviens, normalement, vous devriez gagner... Moi, j'ai gagné 7000. Normalement, vous devriez prendre facilement 70000. Vous devriez prendre 10 fois plus que moi. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer et me dire dans l'espace des commentaires si ça a bien fonctionné pour vous. En tous les cas, moi, ça n'a pas super bien fonctionné. Mais bon, ça reste quand même 7000 XP super facilement à prendre. Donc pourquoi pas. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.